Bienvenue dans cette vidéo, It's your boy and girl. Et aujourd'hui, on va parler de discipline. Vous savez, la discipline, c'est le pont qui sépare tes objectifs et leur réalisation. Donc, il y a un pont là. Donc, la discipline, c'est le pont qui sépare tes objectifs et leur réalisation. En fait, la discipline, c'est ce qui va te permettre d'accomplir n'importe quoi, d'accomplir tout ce que tu veux. Si tu es discipliné, tu vas accomplir n'importe quoi. Alors, sois discipliné. Vous savez, il y a un phénomène qui se passe en début d'année. Début d'année, tu vas voir, les gens sont remontés à bloc. Ils sont prêts à détruire l'année. Ils sont prêts à accomplir plein de choses. Souvent, moi, dans plusieurs voyages, j'ai des personnes qui viennent me voir pour me dire « Écoute, Angel, cette année, c'est mon année. » Ou « Cette année, je vais tout déchirer. » Ou « Cette année, tu vas voir, je vais faire ceci, je vais faire ça, je vais faire cela. » Là, je rencontre les mêmes personnes en milieu d'année ou quelques mois plus tard. Je leur pose la question, et alors, qu'en est-il de tes objectifs? C'était comment? Là, c'est là où j'entends la rivière d'excuses. Toute une rivière d'excuses pour expliquer leur inaction. Oh, tu sais, mon chien était malade. Oh, tu sais, la vie est ce qu'elle est. Oh, tu sais, ceci. Enfin, il y a toujours des excuses et des excuses pour expliquer leur inaction. Je crois que je vais faire une vidéo spécialisée pour les excuses et comment s'en sortir. Vous savez, c'est important d'être discipliné. Ceux qui sont disciplinés accomplissent tout dans la vie. Tu dois avoir de la discipline. C'est très important. Rappelle-toi, la discipline, c'est le pont qui sépare tes objectifs et leur réalisation. Donc, la seule chose qui t'empêche de réussir présentement, c'est parce que tu n'es pas discipliné. La seule chose qui t'empêche d'aller de l'avant présentement, c'est parce que tu n'es pas discipliné. C'est important à partir de maintenant d'être discipliné. Sois discipliné dans tout ce que tu fais. Et ce peu importe ce qui arrive dans la vie de tous les jours, peu importe, prends la décision d'être discipliné chaque jour. La folie, c'est de faire exactement la même chose et espérer un résultat différent. Ouch. La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et espérer un résultat différent. Tu ne peux pas continuer à faire la même chose et espérer que les choses changent. Il faut que tu changes maintenant, il faut que tu sois discipliné. Sois discipliné dans tout ce que tu fais et tu vas voir que tu vas accomplir qu'est-ce que tu veux faire, peu importe. Vous savez, 33% de notre société abandonnent leurs objectifs la première semaine de l'année. Ça a l'air drôle, mais c'est vrai. 33% de la société abandonnent leurs objectifs la première semaine de l'année. Admettons que le 1er janvier, c'est dimanche. Le vendredi, ils ont déjà tout oublié. Ils ont oublié tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont déjà tout oublié. Alors ne sois pas comme ces personnes. Sois discipliné à partir de maintenant. Décide d'être discipliné dans tout ce que tu fais. Alors, j'aimerais te dire ceci. Les sportifs ou les gens qui prospèrent passent le temps à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Parce qu'ils sont disciplinés. Et on voit qu'ils réussissent. Les gens qui réussissent passent le temps à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Personne n'aime se lever à 4h du matin pour aller courir. Personne n'aime se lever pour... Non, ils le font par discipline. Et on voit les résultats après. Alors, sois discipliné à partir de maintenant. Décide qu'à partir d'aujourd'hui, je suis discipliné à faire ça, 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 ça. Et si tu es discipliné, tu vas accomplir tout ce que tu veux dans la vie. Alors, à un moment donné, je vais faire une vidéo sur comment tu peux être discipliné. Voici les routines que tu dois avoir pour avoir la discipline. Mais sache que présentement, tout ce que tu as besoin de savoir maintenant, c'est qu'il faut que tu sois discipliné pour accomplir tout ce que tu dois accomplir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Angel King, ton motivateur personnel.